Hey, salut les pilotes. Bon, deuxième débriefing. Sur la session 4, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a à un moment sur le circuit. Alors, j'ai imprimé, je vais vous montrer. Hop. Au moment du circuit, donc après la ligne droite, on passe le pif-paf, le virage, et c'est dans le grand virage de maintien là, ici à cet endroit-là, on entend un bruit. Quand je maintiens là sur le côté, la voiture elle s'appuie sur le côté droit. Et là, du coup, j'ai regardé tout à l'heure, je vais vous montrer. Le cardan il est pas beau du tout. Va falloir que je modifie ça. Je vous montre. Alors voilà, là on le voit bien, je vais avancer un petit peu. Voilà. Là on voit bien que la tôle au-dessus. On voit bien que la petite tôle là, et ben, elle appuie dessus. Hein. Dès que la voiture se plie, de toute façon même la tôle elle est légèrement pliée là. Et ça me fait une rainure dans le cardan. Donc là j'avoue que faut que je plie ça rapidement. Faut que je plie ça rapidement. Et puis voilà, ça se fera plus. Parce que là. Alors attendez, hop. Voilà, c'est la misère. Faut que je vous tienne au moins ça. Voilà. Voilà, là on voit bien. Et donc là. J'ai quoi? J'ai. Je suis même pas sûr d'avoir un millimètre. Je suis même pas sûr d'avoir un millimètre, mais on va éviter que ça s'aggrave et puis on va réparer ça. Donc je vais plier ça tranquillement. Et puis les prochaines sessions, bah, j'aurai pas de problème. Donc oui, il y a un petit peu d'huile. J'ai une fuite sur le carter. Une micro-fuite. Mais bon, l'huile, ça se déploie très 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 vite. Voilà, ça c'est le deuxième point un petit peu contraignant que je me suis rendu compte après la session. Donc ouais, la voiture s'est quand même bien appuyée sur le côté droit. Voilà, bon allez, dimanche prochain je vous mets la session 5. Allez, à la prochaine les pilotes.